Salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on est sur la présentation de mon yop feu soutien. Voilà, c'est un yop en équipe, hein. Donc pour la présentation du stuff, bah, c'est le même stuff que les nus. Voilà. Il y a un peu moins de variantes étant donné que bah, lui peut par LPM, donc enfin ici avec les coupés, mais c'est très occasionnel. Donc voilà, hein, on a le petit stuff. On a le petit stuff, voilà, comme ça. Hop. On va juste remettre le petit marca. Voilà. Donc, au niveau des stats, on est à 803 intel. C'est vraiment peu, hein, là, pour le coup. Mais c'est vraiment en mode soutien, quoi. C'est pas un gros mode bourrin. Voilà. Donc, on est à 79 dommages feu. 26 cc, 26 cc, parce que j'ai dû oublier le Dofus du tu. D'accord, c'est donc pour ça. On a donc le pourquoi du comment. Alors je vais aller tester tout ça sur le petit putsch. Donc voilà, on est à 30% neutre, 40% terre, 30% feu, 25% eau et 50% air. Hop. Donc on va lancer ça directement. Bon, on va passer très vite hein, pour le rocks. Hop. Voilà, on va mettre les deux divines. Hop. Voilà, vous voyez la destin non chargée qui a mis du 689. Hop. On va se puissance. On va d'abord voir le rocks et puis on verra après le soin. On va se puissance. Vous voyez, hop, les tempêtes qui passent quand même pas mal. Même la flammiche, elle met des petits dégâts, voilà. Tac. Et là, on va vous montrer le gros tour. Bon, je le fais pas souvent ça, mais je vais mettre un petit coup d'héros. Et ensuite, on va faire une petite destruc. Une deuxième petite destruc. Et on va finir par la destin chargée qui met quand même du 1561. Ça fait quand même des gros dégâts. En sachant que. Bon voilà, c'est. Hop là, voilà. Quand même du 528. 528 à la jugement. 412. Après, j'ai plus de boost là, 400. Donc je me rebooste vite fait. Pour les dommages. Je repuissance. Comme ça, vous avez une vraie destin. Voilà, 546, c'est pas ouf, hein. Tac. Ah, il y a eu un bug. Là, le PA. Le coupé, pardon. On va remettre une petite comme ça. Sur l'érosion, ça passe plutôt pas mal. Et là, on va le Vita pour vous montrer un peu le soin, comment ça se passe au niveau du soin. Pouf, vous voyez, petite équipe à 1003. Après, les G varient quand même pas mal, hein. 1002, enfin, du coup, 1000 de soins parce que 700. Bon. Là, je vais attendre que mes divines partent parce que, en fait, le problème avec le Yop, c'est que les divines boostent les dommages. Et du coup, se prendre des dommages en plus sur les types, c'est pas fou. Donc, on va remaîtriser. Hop. Vous voyez, ça fait comme des jets relativement propres. Hein. On va poser. Hop, l'héros. Vous voyez, ça met comme des petits dégâts, mine de rien. Les petites pressions, bon, c'est pas grand-chose. Hein, mais. Hop. Là, on va se boost. On va faire l'apprécie directement. Et on va mettre une double destruc avec la destin. Hop. Voilà, vous voyez la destin pas chargée qui met du 1400 sur l'héros. Ça reste quand même propre. Hein. Bon, franchement, c'est un stuff que je vous conseille si vous voulez jouer un truc plus fun que Yop Full Terre, quoi. Après, j'ai un mode en Abyssal Brousse aussi, Terre-Feu, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. C'est. Non, franchement, c'est propre.
très très propre le stuff. Voilà, on a des bonnes raises, on a même des bonnes raises crit, parce qu'il me semble que là on a 65 résistances critiques. Ouais, c'est ça. On a 20 résistances poussées, bon, ça c'est pas grand chose, hein. Donc voilà, c'est tout pour ce petit hop. Je vous reprends dans quelques instants pour tester tout ça, pardon, en colis. Relatim, désolé, j'avais oublié de lancer le record comme un débile. J'avais oublié, donc bon. C'est pas grave. Donc je suis toujours en compagnie de Bobby et de Kinder. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc on a un Zobal Odopou et un Nini OR. Et on est contre Feka Sram Sadi. Donc Sram R, Feka Terre, je pense. Et un Sadi classique, hein, je pense, au feu. La map est vraiment à leur avantage. Hein, on a une compo clairement cac. Hein. Donc j'ai choisi de mettre les types pour ce combat. Parce que. Tout simplement parce que la compo en face, elle est quand même hardcore. Et là, on n'a pas vraiment de soins, mis à part Bobby. Mais bon. Voilà quoi. Donc je pense que là, le but, ça va être d'OS. Je pense le FK, ce serait le meilleur choix. J'ai mis un Krum hein, pour ce combat aussi. Donc voilà, je suis en 50% terre, 45% air. Vu que FK terre, Sram air, je me suis dit voilà, le Sadi, c'est pas le plus gros rocks. Excusez-moi. Après, le problème avec ça, c'est que le Sadi va soin. On n'a pas d'érosion. Après, on a les gros dégâts de Kinder. Donc ça devrait le faire quand même. On va bien voir. Ouais, je pense que le Sadi, il est au feu. Hop, il me kick des PM encore. J'ai passé mon combat sans PM. C'est pas bien grave. Wouah. Horrible. Hop. On va faire ça. Directement. Je puissance pas, hein. Je pense que je mettrai pas la deuxième destin, mais directement la troisième. Là, ils ont une compo un peu similaire à celle qu'on va faire avec Bobby et Actos. Actos que je vous présenterai justement dans la vidéo de cette compo. Donc Sram Sadi. Et une troisième classe qui sera Lenny du coup. Sram Sadi Lenny. On a des petits combos à faire. Des petits combos à faire. On vous montrera tout ça. Là c'est assez problématique. Ok. Assez relou quand même. La compo est assez relou. Moi bon, je peux pas faire grand chose là. À la limite, je vais pouvoir mettre des coupés à travers le mur pour toucher le FK. Bon, on a de l'érosion en soi. Je peux héros un peu, mais bon. Ok, la glyphe. Le truc, c'est qu'il nous a tous les trois dans la glyphe, c'est un peu embêtant. Tac. Ouais. Bobby en mode. Ça, c'est galère là. Ça va être à lui de jouer, on va voir ce qu'il va faire.
En soi, il pourrait MPA et ne qu'on joue pas sur la précis, hein. Mais bon. Je sais pas si c'est vraiment rentable. À voir. Hop, les PM qui sont donnés. Moi, je vais rester en retrait de toute façon. Hein. Mon rôle, c'est d'être en retrait. Surtout bah, si je joue type, quoi. C'est quand même mieux. Les 50% de terre qui vont mettre très bien contre le FK, quand même. On va voir ce que le Sadi fait. Ok. Le Sadi qui vient me rocks. C'est pas forcément très grave. Il pose une bloqueuse. Assez relou. Tac 6. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais retourner par là. Il est ici, je pense. C'est relou, du coup je lui ai donné un PM. C'est pas foufou. Ok. Ah, c'est ça. Oh là là. Il vient poser les roues. Oh, là, Kinder qui va lui mettre un bon tour, je pense. Ouais, voilà. Tac. Libé, insoignable. Kinder qui a vraiment bien joué là pour le coup. Tac. Autour du FK, il a plus de Bobo. Bobby va lui mettre la max. Il me cac. Ok. Donc là, il va debuff le SRAM. On va voir pour. On va voir pour lui mettre un bon tour. Hop. Moi, je vais tenter de lui kick des PM. Voilà, mucaque de debuff, le persifleur. Moi je suis en retour précis donc ça va être un peu chaud de lui mettre des gros dégâts. Tac, ouais, je pense que. Je pense que ça va partir sur une Vita. C'est vraiment dommage que je sois en retour de précis là pour le coup, je l'aurais mis vraiment très très cher. Ok, ça continue à me focus. Je prends quand même assez cher.
Oh là là, si le retrait PA il passe, malheur. Maudit soit-il. Je pense que le choix le plus judicieux, c'est la Vita. Ouais, c'est ça. Je vais Vita, hop. Je vais décale pour pas lui laisser la zone. Après, bon, il a quand même la zone avec moi et Bobby. Après, s'il part pas en soi, je pense que Kinder a moyen d'assurer le kill. Ouais, j'ai quand même des raises, heureusement, parce que sinon ce serait assez compliqué. Ouais, 421 sur du 45%. Bon, après, il a double boost des fourvois aussi, hein. Faut pas oublier ça. Ouh, le persifleur qui tombe. Ça va être compliqué là. Le petit kill, il va être compliqué à faire. On va voir. Ok, le SRAM qui tombe. C'est plutôt pas mal ça. Le FK qui va me continuer. Qui va me continuer, je pense que Lenny va être obligé de reconce. Après, j'ai plus l'héros, donc c'est plutôt pas mal. Kinder, il te lâche des surprises de partout. Oui, bah oui. Évidemment. Ouais, c'est ça. Ça continue à me focus. Faut pas oublier que j'ai de la destin ce tour-ci. Hop, parfait. Hop, il va redonner les PA. Ah, c'est vraiment bien le fait qu'il ait les PA, ça lui permet de faire double cabriole plus double boliche. C'est vraiment bénef. Ouais, j'ai les PM, je sais. Hop, oh là là, le debuff qui tombe sur le FK. Attention. Attention. Là, il va falloir qu'il arbre. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ok, ça rate les PM. Ouh, ça tape Kinder, ça lui met des bons dégâts. Je pense qu'ils espèrent le tomber. Je serais pas si optimiste, hein, si j'étais eux. Hop, voilà, petit coup des types qui tombent. Hop. Moi, je m'éloigne. Le coup des types qui était. Ah non, c'est vraiment fort. Là, pour le coup, le coup des types, il aura fait du mal là. Hop, voilà. Kinder qui met de gros dégâts. On n'avait pas l'avantage sur le papier, ils ont décidé de rush, ils se sont dit on a de l'héros et tout. Ah mais là c'est vraiment compliqué. Hein. Non mais ils peuvent. J'ai pas rechargé, j'ai pas mis une seule destin du combat. J'ai pas mis des gros dégâts d'ailleurs du combat. C'est vraiment le coup des types là pour le coup qui va sauver.
La Bobby qui va aller débuff le Sadie. Hop. Et là, le Faker qui va se dire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et pour ceux qui ne savent pas, Bobby, là actuellement, il joue avec un archaïque FM Terre, ce qui fait que quand il pose une marque, il tape avec l'archaïque, donc ça débuffe avec la ligne Terre, et après O et R, ça tape vu que c'est ses éléments. Et malheureusement, faut il faut qu'il change de tutu parce que là, du coup, il n'est pas en 1 sur 2, mais en étant 1 sur 2, c'est vraiment très fort. Je vous assure que c'est vraiment très très fort. Ok. Est-ce qu'il va. Il pose l'arbre ici, d'accord. C'est pas bien grave, hein. Hop, on va faire ça. On va remettre un coup des chips. On apprécie. Et on va continuer le sadi, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte souffle sur arbre? Ben non, pas de souffle sur arbre, frérot. Il dit ça quand j'ai fini mon tour. Dans tous les cas, c'est bon, le Sadie est mort. C'est une game qui est GG. Franchement, les équipes, ils nous ont quand même pas mal sauvés. Je pense que ça les a surpris. Je suis dégoûté de ne pas avoir pu mettre un gros tour sur le combat. Voilà, maintenant il va sur Lenny. On va mettre le petit GG. Ah, ils ont vraiment mal joué là pour le coup. Bon, je suis quand même pas mal érodé, hein. Bon, après là, j'ai plus les. J'ai plus les Vita. J'ai plus de Vita, mais bon. Quand même. Là, ce que je vais faire. Je vais puissance. Je vais mettre ma petite destin. Voilà, elle n'a pas mis des gros dégâts. Hein. Je pense que, voilà, comme vous pouvez le voir, elle a mis du 300. Enfin, non, elle a mis du 153 plus. Plus 333. Ouais, il a pris à peu près du 500. C'est pas fou, hein, comme dégâts. C'est vraiment pas fou. Mais bon, je suis pas. Elle est pas chargée, donc ça va. Et puis là, quand même, mine de rien, il a quand même 39%. Donc ça met quand même des gros dégâts. Hein. Ça met quand même des gros gros dégâts. Donc là, on va voir ce qu'il fait. Hop, TP. Il veut continuer les nids. C'est pas bien grave. Notre ennemi qui va lui mettre des gros dégâts. Vous voyez, ennemi au R, en vrai, c'est bien. Encore, il n'est pas en 1 sur 2. 1 sur 2, il taperait tellement plus fort. Mais même sans être en 1 sur 2, je vois qu'on gagne quand même la plupart de nos combats. Donc non, franchement, pas mal du tout. Là, j'ai précis. Et c'est la fin pour lui. Hein. Moi, d'ailleurs, je suis en 1 sur 2, mais là, je ne sais pas pourquoi ça veut pas crit. Donc. Bon, bah voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, partager, surtout, toujours à fond, ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord, le lien est dans la description. Comme ça, on peut échanger. Vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les futures vidéos. Voilà. C'était Mars. Ciao, ciao.